à tous les amis, désolé pour hier, j'ai fait une petite vidéo de 3 minutes, je suis désolé, j'ai pas beaucoup travaillé, j'ai fait que 4 courses hier, c'était rapide, et je voulais faire une vidéo, mais c'était très court, j'ai lu les commentaires. Aujourd'hui, j'allais faire ma vidéo. Que je dépasse 10 minutes. Hein. Il y a beaucoup sur le commentaire, ils m'ont demandé de minimum c'est 10 minutes. Pas 3 minutes, pas 4 minutes. Minimum c'est 10 minutes. Et j'allais essayer de faire plus 10 minutes. C'est promis. Et hier c'était exceptionnel. J'ai fait 4 courses. C'était rapide. C'est pour ça que j'ai fait avec le montage. Tu retires tous les points importants et ça reste toujours un petit peu, et c'est vrai, c'est évident, c'est pas long la vidéo, mais aujourd'hui on va essayer de mettre au moins 10 minutes comme il a dit mon collègue sur les commentaires. Voilà, c'est ma journée aujourd'hui, vendredi 25 août. Aujourd'hui je commence un peu tard, vers 20h. Voilà, j'ai accepté une course Uber de Clichy à Célé-Molineaux. Et Célé-Molineaux, et là je cherche une autre demande, mais j'ai commencé avec ma première course aujourd'hui, c'est avec Uber Clichy. Et c'est les Molineaux, 17 euros net, 25 minutes de trajet. Voilà les amis, je mets tout ici. Et là, on va chercher encore des clients avec l'application Uber, Hitch, Bolt et clientèle privée. J'espère que j'allais voir quelques-uns aujourd'hui. Comme ça, je partage avec mes collègues. Et de faire une vidéo large. Voilà les amis, là j'allais direction Paris 6e, j'ai déposé mon client Uber et là ça sent pas, j'ai pas de course à l'instant, et on va voir si je peux voir des courses avec les groupes et avec les applications. Là c'est 20h20. D'ici à 1h du matin, j'espère que j'allais faire mon petit chiffre d'affaires du mois d'août. Au moins 160 euros. Mon objectif aujourd'hui, c'est de dépasser 150 euros. Si je le fais bien, sinon, tant pis. Au moins, il ne reste pas grand-chose. Il reste une semaine et après, on va travailler. Et voilà, les amis. Allez voir, là c'est là, je regarde les groupes. Grand bonjour les amis, là j'ai bien d'accepter une course à Célé-Molineaux de 35 euros net pour aller à Saint-Germain-en-Laye. Une bonne course, c'est bien. J'arrive dans 2 minutes. C'est toujours avec l'application Uber. Voilà les amis, je suis pas loin. 35 euros net. Peut-être il y a une deuxième adresse. Non, il n'y a pas. C'est un confort. Voilà, 35 euros net. Saint-Germain-en-Laye. Voilà. On se trouve à la fin de la course. Là, j'ai presque arrivé au client. Il est juste à côté. Alors, les amis, je laisse toujours la course ici. Ma deuxième course. Voilà les collègues. J'ai bien déposé mon client Uber
à Saint-Germain-en-Laye, 35 euros net, 30 minutes de trajet. Là, je laisse la course finale net. C'est bien passé. Là, je suis à 52 euros de net avec l'application Uber. C'est ma deuxième course de Uber. J'ai fait deux courses ce soir. Et là, on va chercher un retour à Paris. S'il y en a, c'est bien. Sinon, tant pis, on va aller. J'allais tourner à Paris où il y a plus de travail. Voilà les amis, comme d'habitude, je laisse toujours le net ici, à côté de la fenêtre. Et on essaye de s'en sortir le mois d'août. C'est vrai, il y a moins de travail. Avec la chaleur, c'est pas évident. Là, ça va, aujourd'hui, il fait 19 degrés, ça va, il fait moins chaud. Il faut travailler pour s'en sortir. On ne peut pas rester à la maison et dire c'est calme, je reste à la maison. Tu es obligé de sortir. Il y a toujours des courses, il y a toujours. Même si c'est calme. Là, à peu près, avec mon expérience, le mois d'août, à peu près, on tourne à 20 euros l'heure la journée. Le soir, je peux vous dire 10 euros l'heure, 15 euros, ça dépend de notre chance, de notre où on est exactement. Mais par rapport à le matin, si vous travaillez le matin, vous êtes à peu près entre 20 et 30 euros l'heure. Ça, je parle le mois d'août là. Le matin, vous êtes à 20 euros l'heure, 20 à 30 euros. Le soir, c'est calme. On va dire, si vous êtes à Paris, vous faites que l'entour de Paris, vous pouvez être entre 10 et 15 euros. Et 15 euros l'heure. C'est ça, dépend. Chaque jour, c'est différent. Mais par contre, le mois d'août, c'est calme. Ça, c'est, quand je dis le chiffre d'affaires, sur le chiffre d'affaires, c'est pas le net. Le net qu'on touche, nous. Après, il y a les chars, il y a l'essence, il y a le comptable, il y a la cotisation, mais en général, un VTC tourne à Paris entre 20 euros et 30 euros l'heure. Après, quand il y a trop d'embouteillage, il faut prendre des courses intéressantes. Il ne faut pas prendre les courses, surtout quand il y a les embouteillages, il ne faut pas prendre les courses à 10 euros. Vous le cherchez à 20 minutes, 10 minutes, parce que vous allez passer beaucoup de temps. Et chez nous, c'est le temps. Il faut savoir gérer le temps. Surtout, maintenant, par exemple, là, j'ai fait une course 35 euros net. Je peux faire la même course de 30 minutes, il y a moins de kilométrage, à 15 euros. Je peux faire 15 euros 30 minutes. Là, j'ai fait 35 euros dans 30 minutes. Mais je peux voir des courses à 15 euros 30 minutes. Et quand il y a l'embouteillage, 15 euros 40 minutes. C'est pour ça qu'il faut savoir gérer les courses, où il va. Là, si j'ai de la chance, j'allais voir un retour à Paris. Si j'ai pas de la chance, tant pis. Là, j'ai mes destinations Paris. Et si j'ai de la chance, j'allais voir un retour pour aller à Paris. Voilà les amis, j'espère que j'allais voir une course pour aller à Paris. C'est le week-end. Bon, bonjour les collègues. Là, j'ai bien d'accepter une course Uber 8,50 € de Bois-de-Bolon pour aller à Paris 15e. Malheureusement, ma course de Saint-Germain-en-Laye, j'ai pas de retour. J'attendais au moins 15 minutes, j'ai pas de retour. Et là, j'ai pris la A13. J'ai sorti à Boulogne-Billancourt et j'ai ma troisième course. J'arrive dans 3 minutes pour aller à Paris 15e. 3 km, 8,50 € net.
Bah, je laisse la course ici, la commande, et à la fin, je mets le prix de la course. Voilà les amis, on se trouve à... Là, je suis presque arrivé, il me reste 2 minutes. Quand j'étais à Saint-Germain-en-Laye, j'ai parlé avec un collègue, un de mes abonnés dans la chaîne YouTube. Il m'a demandé par rapport à l'assurance. Et j'ai donné un contact pour trouver une assurance VTC. Il était un peu en galère. J'ai donné un contact, un courtier. J'espère qu'il vous a, il va aller trouver son assurance VTC. J'espère. Et comme ça, je suis content d'aider pour trouver son assurance. Parce que c'est compliqué en ce moment, les assurances, ils demandent le relevé de formation, dès que vous avez du malus, il ne vous assure pas. C'est un peu compliqué sur le VTC parce qu'il y a beaucoup des accidents. Beaucoup, c'est vrai, nous, les chauffeurs, on ne fait pas attention. Il y a beaucoup qui à cause des accidents. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'assurances qui ne font plus le VTC. Ils demandent trop des papiers pour être assurés. Voilà, là je suis arrivé au client. Là j'ai bien déposé mon client. 8,50€, je mets ici. 7 minutes de trajet. Là je suis à Paris 15e. Et voilà, je cherche des autres clients. Grand bonjour les amis. Là j'ai bien accepté une course Uber. De 7,65€ de Paris 6e pour aller à Paris 15e, 3 km. Je mets ici la course pour 7,65€. C'est le mois d'août, c'est calme. Moi, des fois, je préfère de prendre des petites courses de 7€, 8€ de moins de 3 km que de prendre une course à 15€ pour faire 15 km. Ou 20 km. Après j'aime bien de faire des petites courses, mais quand il y a moins de 3 km c'est rapide, tu fais pas plus, tu fais pas beaucoup de kilomètres, mais il n'y a pas beaucoup, c'est le minimum. Et des fois les clients ils prennent pour 3 km, ils prennent le minimum, c'est 7,60€, 7,50€. Des fois il y a des courses à 10€ pour 7 km. Là je prends pas parce que c'est pas rentable. Je préfère de faire 3 km pour 8€ que de faire 7 km pour 10€. Voilà les amis. On se trouve dans la fin de la course pour mettre le montant net. Et à la prochaine. Merci. Grand bonjour les amis. Là, j'ai bien de finir ma course de Uber. 3 km pour 7,65€. Je mets la course ici, net. Voilà les amis. On se trouve dans la prochaine course. Là, j'ai reçu une course de 22€ pour aller à 91 Massy. Et là, j'allais voir en même temps mon collègue. C'est un ami, c'est un abonné. Je le connais grâce à ma chaîne YouTube, Sabri. Et il travaille à Rungis ce soir. Et je l'ai dit tout à l'heure et je l'ai au téléphone avec lui. Je lui ai dit dès que j'ai une course pour à côté de Rungis, j'allais passer pour te dire bonjour. Et là, j'ai une course par hasard pour aller à Massy-Palaiseau. Dès que j'ai fini la course, je passe à Rungis pour le passer bonjour. Et grâce à ma chaîne YouTube, je connais beaucoup de gens gentils, beaucoup de gens qui me conseillent à continuer à faire des vidéos. Grand bonjour les amis, là j'ai bien de finir ma course de Paris 6e, direction Massy. Là je suis arrivé, de 25 minutes de trajet, 22,98€ net. Je mets ici la course net à la fin. Là, je vais aller passer directement
Rungiste pour dire bonjour à mon collègue, à mon ami Sabri. Grâce à ma chaîne YouTube, on se connaît. Et aujourd'hui, pour la première fois, je passe à ça. Où il travaille, je passe vers où il travaille pour le passer bonjour. Grand bonjour les amis, là j'ai bien d'accepter une course de Uber, 1 km 300, gare de Lyon, la Bastille, 7,65 €. Voilà les amis. Grand bonjour les amis, là j'ai bien de déposer mon client de gare de Lyon à la Bastille, place de la Bastille, 7 €. Voilà, et là j'ai accepté une course de Uber, je mets ici de Paris, côté de la Bastille, pour aller à Paris 17e, 12 euros net. Là j'ai bien de finir la course de Paris 17e. Je laisse ici 12 euros net. Et en même temps j'ai une course de 14 euros net avec l'application Uber pour aller à Sannois. Et après je rentre. Voilà les amis, c'est calme, c'est très calme la nuit. Là c'est 1 h du matin. J'ai fait à peu près 130 € ou 120 et quelques, 126 € si je finis cette course de Uber pour aller à Sannois. Là je suis à Clichy, j'attends mon client Uber pour le ramener à Sannois, comme ça je rentre direct à la maison, je me repose. J'ai sorti à 20h, j'ai pris une pause à Rungis, j'ai parti voir un ami, Sabri, c'est un abonné, je le connais grâce à ma chaîne YouTube. Il travaille ce soir à côté de Orly. J'ai passé pour le dire bonjour et pour qu'on se voit pour la première fois. On a parlé par téléphone, on a parlé par ma chaîne YouTube. Et là, c'est la première fois qu'on se connaît en personne. Grand bonjour les amis. Là, j'ai déposé mon client Uber. Là, je suis à Sannois. Je rentre direct à la maison. 14 €. J'ai fini ma journée. Voilà, j'ai fait 8 courses avec l'application Uber. Voilà les amis, 126 € net, c'est pas mal. J'ai commencé à 20h, j'ai pris 1 h de pause. Là je rentre, ça fait, il est 1 h 40 du matin. Là je rentre pour me reposer, pour travailler un peu demain, un peu matin. Et c'est mieux de dormir un peu la nuit et travailler la journée. Je préfère de travailler la journée, la nuit c'est calme. Là j'ai mis la lumière parce que sinon vous allez voir rien du tout. Voilà les amis, c'est la nuit. Comme d'habitude, si vous aimez bien la vidéo, vous likez, vous commentez, vous abonnez. Ça me motive à faire plus de vidéos. Et merci pour voir cette vidéo. Je vous dirai à la prochaine. On se voit dans la prochaine vidéo. Et merci encore. Et au revoir. Bye bye. Ciao.